RTL Midi. Tout le monde connaît Bambi, le dessin animé de Disney. Eh bien, une autre adaptation en prise de vue réelle, cette fois, fait polémique. Oui, Céline, c'est un film français de Michel Fessler avec la voix de Mylène Farmer qui sort le 16 octobre prochain. Mais une association de défense des animaux accuse le film d'avoir négligé le bien-être des cervidés pendant le tournage. Une avant-première doit avoir lieu au Méliès, un cinéma de Montreuil près de Paris, ce dimanche. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. L'association veut faire interdire donc cette séance. Oui, elle a lancé une pétition qui a reçu plus de 9000 signatures en à peine 2 semaines. En cause, l'utilisation par le film de dresseurs d'animaux. C'est un vrai faon qui joue Bambi. Il y a aussi des lapins, des corbeaux, des putois. Pour Amandine Sanvicens de l'association Projet Animaux Zoopolis, à l'origine de la pétition, cela devrait être illégal. Nous, on dénonce le principe même de la captivité animale et du dressage, juste pour un divertissement. Ces animaux-là, j'insiste, ils sont nés en captivité, ils sont chez des dresseurs en fait, hein, toute leur vie, et ils sont dressés juste pour un tournage. Pour les animaux, c'est de la souffrance. Et donc on se bat pour que ce soit interdit dans la loi. L'association a déjà distribué des tracts à d'autres avant-premières, mais elle n'a demandé la déprogrammation du film qu'au Méliès de Montreuil, car c'est un cinéma public géré par l'agglomération. Sur place, aucune affiche pour Bambi, mais le directeur du cinéma m'explique avoir vu le film, contrairement à l'association. La production lui a assuré que le bien-être animal était respecté, donc pas question de déprogrammer. Le directeur préfère organiser une rencontre avec le réalisateur à la fin de l'avant-première, où chacun pourra poser ses questions. L'association a, elle, prévu une manifestation dimanche devant le cinéma.